Nous allons commencer, ou recommencer pour les fidèles. Approchez-vous, n'hésitez pas. Comme on n'est pas, la salle n'est pas pleine, c'est bien que la chaleur se rapproche de la scène, chaleur humaine. Le Mistral est tombé, il est parti, le vivant se prépare à la fin de ce festival, donc le vent est en train aussi de plier ses bagages. Ouais, à 14h, en effet, c'est l'heure de la sieste. Hein. Et vous avez une table ronde, mais fabuleuse. Et vous avez bien fait de venir, franchement, parce que la table ronde va être vraiment chouette. Vous avez vu, on est 6 pour vous, à 14h un dimanche. Vous avez beaucoup de chance. Ouais, vous pouvez applaudir d'ailleurs. Hein. Allez, on s'assoit, on commence pour tenir le temps, parce qu'en plus, il y a les techniciens derrière qui vont tout démonter ce soir. Ils ont été super depuis une semaine. Et donc, il faut qu'ils, voilà, il faut aussi qu'eux aussi rentrent à la maison. C'est parti pour une heure et demie d'agriculture. On va rentrer dans un voyage qui est absolument essentiel, qui est la façon dont on se nourrit. Et l'angle aujourd'hui, c'est, vous avez souvent, et dans ce festival Agir pour le vivant, on a déjà beaucoup parlé de paysans, d'éleveurs qui essayent de réinventer l'agriculture. Aujourd'hui, ce dont on va aussi vous parler, c'est le fameux passage à l'échelle. Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde bien? Voilà, c'est une question qui intéresse les gens. On va dire, bah, c'est bien de faire quelques anecdotes, de faire des exploitations exemplaires, mais est-ce que ça va nourrir la planète? Et à quel prix? Donc c'est pour ça qu'on va avoir aujourd'hui plusieurs personnes, donc Laurence Tubiana qui nous accompagne toute la journée, Xavier Poux, bien présenté, le X pour ceux qui iront le voir après, qui a écrit ce livre, Demain, une Europe agroécologique, co-écrit, et d'ailleurs je le vois, qui est ingénieur agronome et qui aujourd'hui travaille dans un cabinet d'études qui s'appelle ASCA. Depuis 30 ans, il laboure cette question et il va vous en livrer la substantifique moelle. Énorme chance de votre côté. Valentine Deganet, une femme qui s'est mise à l'agriculture à l'occasion de la reprise d'un domaine familial, on comprendra pourquoi. Benoît Biteau, dont aussi, c'est Laurence qui a bien raison de commencer à lire ce livre, Paysan résistant, et franchement le titre est bien choisi, c'est pas de la pub mensongère. Et éleveur et élu, voilà, pas politique comme il dit, élu. Voilà, c'est comme on dit pas agriculteur à cette table ronde, on dit paysan. Et justement, Émilie pourra vous dire pourquoi. D'ailleurs, juste Émilie, dis pourquoi on dit paysan et pas agriculteur. Agriculteur, en fait, en latin, ça vient de la guerre, le champ. Donc c'est quelqu'un qui vit du champ. Et le paysan, il vit du pays, il vit avec son pays, donc dans une notion beaucoup plus holistique. Ouais, moi, ça me donne plus envie du coup de vivre avec la terre que de lui faire la guerre. Donc on va dire paysan. Et donc Émilie dire exploitant. Alors là aussi, franchement, vous allez voir que les mots sont importants. Comme c'est co-organisé par Actes Sud, cette rencontre, les mots sont importants. Paysan, pas exploitant. Et élu, pas politique. On va faire la liste après, comme ça. Faites attention quand vous sortirez de la salle après. Et Émilie donc, dirige le domaine du possible à Arles. C'est bien d'avoir aussi des ancrages locaux, un domaine de 130 hectares qui essaye d'innover, de tisser des liens dans le territoire, et qui est par ailleurs, elle aussi, paysanne. En faisant de la spiruline et en essayant de construire une ferme de spiruline en ce moment. On commence par la grande échelle. On vous dit passage à l'échelle. Il faut poser le problème. On va poser le problème très rapidement avec Xavier Poux, qui est extrêmement pédagogue. Hop, alors on va passer déjà la première slide. Est-ce qu'on la voit? Ah ben elle est là en plus, voilà. Donc Xavier, voilà. Xavier, rapidement, pourquoi tu veux commencer par cette image, ce dessin de champ? Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a dessus. Alors, bonjour déjà. Donc ça, c'est un dessin qui a été fait à partir d'une photo aérienne dans le Grand Est de la France. Donc c'est à peu près la réalité de ce qu'on a aujourd'hui. Donc on reconnaît des grands champs, on reconnaît des forêts, des résidus de forêts, on reconnaît des villages qui sont paumés au milieu de ces grands champs. Et c'est un paysage qui a deux caractéristiques. Un, ça ne se voit pas beaucoup, mais vous pouvez, je pense, le deviner derrière. Il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup d'engrais de synthèse, parce qu'il y a beaucoup de spécialisation agricole. Ce n'est pas de la monoculture, mais il y a un champ très réduit. Donc, il y a, par rapport à tous les débats qu'on a eus sur la sixième extinction,
la perte de biodiversité, là, très, très concrètement, c'est de ça dont on parle. Si on prenait, on aurait pris ce paysage il y a 30 ou 50 ans, bah, on aurait eu peut-être des lapins, des taupes, plus de papillons. Je ne dis pas que c'était l'Éden, mais en tout cas, c'est un paysage qui est très pauvre d'un point de vue écologique. Attends, attends. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette deuxième image ? Je reviens quand même en arrière. Ah, pardon. Deuxième point que je voudrais dire, c'est que c'est un paysage qui est très politique. Ça ne se voit pas. Mais c'est un paysage qui a été construit par 60 ans de politique agricole commune. On dit toujours que ça a commencé en 92. Non, ça a commencé en 65. Donc c'est un paysage qui reflète des choix politiques et qui reflète des choix politiques, en fait, qui se foutent complètement du paysage. Le seul truc qui les intéresse, là, c'est la taille des champs, la production de blé et la compétitivité mondiale. Et ça, c'est des choix politiques qu'on voit dans le paysage. Alors, merci. Alors voilà, c'est le jeu des différences. Ça marche aussi pour les enfants, du coup. On voit, alors, qu'est-ce qui a changé, là, donc, Xavier ? On se passe la question de, bah, si on prend au sérieux les enjeux d'écologie dont on a parlé, notamment de biodiversité, à quoi pourrait ressembler un paysage agroécologique ? On a repris donc le même champ de vision. On se projette dans l'idéal, dans une utopie en 2050. Et voilà un paysage qui pourrait être celui de l'agroécologie. Alors, il y a pas mal de changements. On ne va pas faire le jeu des sept différences. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a, il y a beaucoup plus de haies, d'arbres, de tout ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques. Et puis, il y a deux autres gros changements. C'est au niveau de la guerre dont parlait Émilie, une diversité de cultures, des rotations, des légumineuses, des couverts végétaux, etc. Et puis, troisième point, ça se voit peut-être moins, etc., mais j'espère que vous le sentez, c'est des prairies aussi, avec des vaches, des ruminants. Alors, on pourra en discuter, parce que c'est un débat, mais on va en discuter. Des ruminants qui permettent de faire des transferts de fertilité, donc qui permettent d'avoir un fumier, qui permet de ne pas avoir d'azote de synthèse. Donc ça, c'est bon aussi pour le climat, hein, très important. Les vaches, ça rote, c'est vrai, mais ça permet d'avoir ce cycle de fertilité. Donc voilà, un paysage qui devient très politique aussi, puisque si on veut prendre en compte tous les enjeux dont on a parlé, et on en a vu ce matin dans la table ronde, la question de Jean-Paul Capitani ou d'autres remarques, on ne parle pas que de climat, on ne parle pas de carbone. Il faut parler d'azote, il faut parler de vie, il faut parler de vers de terre, etc. Et donc cette approche globale, elle induit des changements politiques qui sont aussi globaux. Donc, alors, on va dire là, ok. Ouais. Voilà, c'est là où, en effet, ça, c'est le cadre. Ouais. Et c'est là où on va parler peut-être de la question, le problème, c'est ça ? Exactement. Parce c'est-à-dire que là. C'est pour ça que Xavier commence. C'est qu'on va apporter la solution, évidemment. Donc, on est hyper didactique. Parce que dimanche 14h, c'est quoi le problème ? Alors, dimanche 14h, on est à la chapelle du Méjean, Acte Sud. Tout le monde se dit, ça, c'est super. Tout le monde, on ne voit même pas où est le problème. Tout le monde veut ça, il y a de la biodiversité, il y a du machin. Et on se dit, alors, sauf que quand on œuvre en réalité pour porter ce débat, ben c'est beaucoup plus difficile que ça, on se heurte au lobby. En fait, la dernière réforme de la PAC, elle voulait continuer le premier paysage. On va même voir ce que ça pourrait faire. Alors, il y a quand même des petits germes d'espoir que ça change de l'extérieur, qu'il y ait une demande sociale pour le climat, pour la biodiversité, pour l'agriculture biologique, etc. Ça, bon, ok, on ne va pas prêcher des convaincus, on ne va pas passer deux ans là-dessus, ça n'aurait aucun intérêt. La question, enfin, ce ne serait pas l'intérêt principal, en tout cas. La question, c'est, est-ce que de l'intérieur, ça peut bouger ? Et une des formes d'espoir, c'est comment ça va mal, d'une certaine manière, pour les agriculteurs. Voilà, avec deux éléments très importants. Et là, c'est, moi, j'ai appris un truc, c'est important de comprendre. Alors, ce n'est pas joli, hein. Peut-être écouter plus comment Xavier ça, c'est pas joli. Bon, les courbes avec les trucs comme ça, tout de suite, on se dit on est en train de parler du vivant. Mais du coup, pourquoi ces deux aspects importants ? Alors, là, vous avez les comptes de l'agriculture et vous voyez l'évolution de la valeur de la production agricole mesurée en euros courants pour une exploitation moyenne en France. Donc, ça croît au cours du temps. Ça commence un petit peu à stagner. C'est jusqu'à 2012, mais peu importe le raisonnement. Donc, vous voyez, une ferme moyenne en France, elle produit de plus en plus. Mais il y a un petit souci. Magnifique. Le petit souci, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on gagne ? Ben en fait, vous avez cette courbe où vous voyez en gris clair tout ce qu'on doit dépenser en engrais et en pesticides, je vous renvoie au paysage qu'on vous a montré auparavant, pour continuer de produire, tous les autres coûts, et vous avez en bas la petite courbe noire, là, c'est ce qui reste in fine à l'agriculteur sur la valeur de sa production. Ça fait combien ça, là ? En moyenne. Oh bah là, je sais pas, on est à 1000 euros, ça varie un peu, mais c'est que dalle, en fait. Et ce qui fait le revenu, c'est le gris clair qu'en dessous, pour des raisons pédagogiques, c'est les subventions. Ceux qui ont vu le film Animal,
L'autre jour, on a vu ce producteur de lapins, c'est complètement délirant, qui nous explique qu'il gagne 320 euros par mois. Et bien, en fait, c'est la même courbe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on peut commencer à voir, et quand on parle de ça avec des agriculteurs, et même ceux qui sont, même le producteur de lapins ou même le grand producteur serraillier, ils sont confrontés à un problème. On va parler d'impasse agronomique, c'est-à-dire des gens qui se rendent compte que, ne serait-ce que pour continuer à espérer produire la même chose, ça coûte de plus en plus cher et qui vont dans le mur. Alors tout le monde ne dira pas ça, hein. Christiane Ambert ne dira pas ça. Elle dit, il c'est faut la présidente continuer. De la FNSEA, qui absolument. Est le grand syndicat donc, agricole. Et le ministre de l'Agriculture ne dira pas ça. Il faut que la France soit compétitive. Donc autrement dit, toujours plus de plus. Mais il y a un problème. Un autre problème, c'est le deuxième. Alors vous rendez compte que vous êtes complètement manipulé avec ce jeu de... Et le deuxième problème, c'est une courbe qui tue aussi, c'est l'évolution du rendement du blé en France depuis 1815. Et donc, ce qui vous frappe, enfin, ce qui frappe beaucoup de personnes... Il y a un décollage en 50, là, il se passe voilà, un truc. Voilà, le progrès, le miracle, et puis depuis une quinzaine, vingtaine d'années, plateau et yo-yo. Alors cette année, c'est une bonne année. Là si je fais ça à la GPB, ils vont me dire, oh, tu te trompes, enfin, comment, c'est ça. Mais dans 2 ans ou 3 ans, on viendra les voir, il y a toutes les chances. Donc là, c'est quand même un signe assez sérieux de se dire que là, peut-être qu'on commence à déconner un petit peu avec les sols, si on combine ça avec le climat, etc. Donc il y a un problème où les questions de biodiversité, de climat, etc., ne deviennent plus ce qu'on appelle en général une externalité. Ce n'est pas le problème de l'agriculture, c'est un problème géré par les agriculteurs, mais c'est le problème des autres. Là, il peut y avoir une prise de conscience que ça devient le problème des agriculteurs eux-mêmes. Alors, ça prend du temps, mais on internalise les problèmes. C'est un petit peu ce qu'on évoquait ce matin en disant les Russes, au début, ils voyaient le changement climatique, c'était super pour eux. Ben non, finalement, c'est pas super pour eux. Donc, voilà, rapidement... C'est bien, c'est important d'avoir le cadre, parce que je trouve qu'on voilà, essaie de transmettre des choses et après de montrer des points de vue et des engagements. Et du coup, on va faire la transition avec Valentine. Génial. De gagner, donc on peut remettre, on va enlever parce que c'est pas super joli, voilà. C'est mieux de voir les intervenants. De toute façon, tous les graphiques sont dans le livre. Donc Valentine de Gannet, je disais, en 2013, reprend une surface, une exploitation, on peut le dire à ce moment-là, agricole de 2000 hectares, le domaine de Courance. C'est un peu, d'ailleurs, ça n'a pas été complètement un choix. Et on va justement parler, mais pourquoi c'est important déjà d'entendre Valentine, c'est qu'on est sur 2000 hectares, ce qui est une surface intermédiaire. Mais justement, on va faire un petit peu là la pédagogie entre la différence entre la permaculture, on parle du bec et loin, etc., mais c'est 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et les grandes cultures qui nous nourrissent, le blé, l'orge, etc., et là, c'est des centaines d'hectares. Donc Valentine, peut-être un mot sur comment tu es tombé, tu as atterri dans l'agriculture et justement comment tu réagis sur cette espèce de transition dont on a envie, vers laquelle on a envie d'aller. Alors, 3 petites anecdotes. Ça marche ou pas ? Il faut parler assez okay. Proche. Alors, quelquefois, tu fais des choses dans la vie, pas forcément parce que tu avais une vocation dès la naissance pour les faire, mais parce que soit personne d'autre que toi ne va le faire, tu t'aperçois dans la situation qu'il faut quand même y aller, sinon il ne va rien se passer, ou alors l'idée que quelqu'un d'autre puisse y aller te fait tellement horreur que tu te lances toi-même. Okay. Donc ça c'est pour dire la vérité, on ne va pas développer plus. Donc c'est une propriété de 10 cousins, ce n'est pas moi seule qui suis propriétaire de ce cirque. Donc je donne un petit peu de contexte, un petit peu descriptif. Il s'agit de... L'intérêt principal, c'est que c'est à 50 km de Paris et que c'est un gros morceau, moitié forêt, moitié champ, 1000 hectares de forêt et 1000 hectares de champ. Dans ces 1000 hectares de champ, juste pour qu'on s'imagine, en fait, c'est seulement 600 que j'ai repris en exploitation directe et les 400 autres étaient distribués chez des fermiers qui, aujourd'hui, juste pour encore donner des non pas des anecdotes, mais la réalité sociologique ou psychologique ambiante qui attendent que je me casse la gueule de manière plus spectaculaire plutôt qu'ils ne suivent les expériences un peu étranges que je mène. Mais la messe n'est pas dite et on verra dans quelques années. Bref, la deuxième question que tu me demandais, donc comment ça a commencé et ensuite... Mais en fait, ensuite, justement, d'ailleurs...
parce que là on parle d'agroécologie et c'est pas mal que tu, parce que entre est-ce que je suis un paysan bio, est-ce que je suis dans la. Alors donc pourquoi est-ce que j'aurais, pourquoi ce choix qui peut déjà à l'heure du déjeuner quelqu'un me l'a posé cette question de donc, qu'est-ce que c'est l'agriculture bio de conservation, donc et quels sont les motifs en effet pour lesquels on fait quelquefois certains choix. Donc je donne aussi un petit contexte des débuts. Quand on devient agricultrice, vous ne pouvez pas faire ce travail si vous n'avez pas acquis une formation. Donc, c'était une des conditions de ma famille, que j'acquière une formation, que je sois accompagnée techniquement, que je ne m'endette pas. Je ne comprenais même pas l'allusion, mais je vous expliquerai plus tard comment j'ai désobéi, parce que sinon on serait nulle part. Et puis, je ne sais plus quelle était la quatrième. Bon. Donc, j'ai encore bien fait de ma pensée. Non, c'était pour la partie bio. L'agriculture bio de conservation. Donc, au début, je ne connaissais personne. Enfin, même si j'étais accompagnée techniquement par les chambres d'agriculture, ça a été un désastre. Ça a été, ça n'a pas duré longtemps. Je pensais... Enfin, la finalité publiquement annoncée et choisie par ma famille, c'était donc de passer en grande culture, agriculture biologique. Vu l'état de ces terres, j'entends parler, enfin, et on me conseille que peut-être un détour par ce qu'on appelle l'agriculture de conservation serait nécessaire, parce que ça serait peut-être un peu risqué de plonger direct dans l'agriculture biologique, étant donné l'état des sols que je récupérais. Mais en fait, quand je me suis... Donc au début, je ne connaissais personne, j'avais personne pour me vraiment tellement m'accompagner. Au bout d'un moment, j'avais trop de gens qui me disaient ce que je devais faire, qui voulaient participer à l'aventure, ce qui était sympa, mais ça faisait un peu mal à la tête. Et puis je ne suis pas ingénieure agricole. J'ai peut-être les doigts verts et je prends de plus en plus goût à ce que je fais. Mais quelquefois, pour décider, départager, c'était juste trop, trop compliqué. Donc un jour, j'en ai eu tellement marre. J'appelais ça le Yalta de l'agriculture. Il y avait 20 personnes autour d'une table... au château de Courance, que certains connaissent pour ses jardins, mais donc là, on parle de ce qui se passe en dehors des murs du parc. Donc, ce vacarme et ces gens qui ne s'entendaient pas et qui ne voulaient pas se parler directement, mais qui me susurraient des choses à l'oreille en parlant des autres comme des imbéciles. Et alors, du coup, j'ai dit, vous savez quoi, les deux trucs m'intéressent, ces deux itinéraires techniques, donc l'agriculture biologique, je ne vais pas vous rappeler les cahiers des charges de l'agriculture biologique, mais... Je considère que la France est très idéologique. Donc il y a des chapelles, il y a des clubs, on ne peut pas être copain avec machin si on est copain avec truc. Donc l'agriculture biologique, Satan, c'est le glyphosate. Et l'agriculture de conservation, il s'agit de ne pas travailler les sols. On ne laboure plus, mais on peut mettre un petit peu de glyphosate tous les 3-5 ans pour rattraper les problèmes d'enherbement. Pas, eux ne vont pas dire ça. Donc j'ai dit, vous savez quoi ? Je vous trouve vraiment très inspirés tous les deux, enfin tous ces deux chapelles, donc on va faire ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni chimie, ni travail du sol, ce qui est quand même d'une naïveté ou d'une prétention extrême, mais je savais que ce n'était pas complètement déconnant, si j'ose dire, parce qu'en termes de maraîchage, il y a aussi des ateliers de maraîchage donc à Courance, 3 fois 3 hectares avec des itinéraires techniques différents. J'avais mis ça en place, c'est-à-dire où il n'y a plus de chimie et tu ne travailles plus le sol, donc on ne parle absolument pas de permaculture, c'est autre chose, et on obtient des rendements très intéressants avec beaucoup moins de travail. Donc je me suis dit, si dans les grandes lignes, c'est compréhensible de faire ça pour le maraîchage, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible de combiner ces deux ambitions pour les grandes cultures. Quand je parle de grandes cultures, je parle de céréales, des champs. Oui, parce que c'est là où est l'enjeu, encore une fois. Mais bien sûr, parce que moi, ce qui me déprime quelquefois, quand on parle à des gens qui ne sont pas forcément très informés de bio, tout le monde pense immédiatement potager, jardin partagé, truc totalement sympa, et on a tous des copains qui font ça. Mais l'enjeu à l'échelle du pays... Ça paraît quand même à une autre échelle, justement, et c'est ça dont nous allons essayer de parler aujourd'hui, ce changement d'échelle pour l'agroécologie. Et là, on n'entend pas tellement d'histoires inspirantes. C'est normal, puisque les gros propriétaires sont plutôt généralement très conservateurs pour des raisons que Benoît nous rappellera mieux que moi. Mais c'est quand même là que les choses devraient bouger et que des nouveaux modèles devraient être proposés. Voilà. Rapidement, Xavier, et puis justement, on va faire le lien avec Benoît et... Et pour coupler cette question de sortir de la vision uniquement du maraîchage,
donc les grandes cultures, un chiffre, les deux tiers des céréales en Europe, c'est pour nourrir les animaux, le bétail. Donc la question du changement des systèmes de culture, elle est intrinsèquement liée à l'évolution de notre élevage et de notre alimentation animale. C'est très important d'avoir ça en tête. Oui, donc c'est pour ça, c'est qu'en fait, c'est ce que... Valentin, tu veux réagir là-dessus ? Non ? Mais non, mais c'est qu'en fait, justement, c'est ça. C'est très important de rappeler que en effet, c'est complètement... notre production est complètement céréalière, complètement à côté de la plaque et assez obscène, alors que tout le monde, tous les bobos et nous tous parlons de notre souveraineté alimentaire, de ce qu'on a dans notre assiette. En attendant, les champs que vous voyez autour de vous, c'est pour nourrir les animaux. Et c'est justement ça, c'est pour ça qu'on appelle ça les grandes cultures. Et c'est aussi, Benoît Biteau, le chemin qui est entrepris, c'est comment on fait muter ces grandes cultures, et pas simplement un potager, et pas simplement du maraîchage, sachant que dans ton histoire, toi, tu as repris l'exploitation de ton père qui faisait du maïs avec bonne dose d'irrigation. Donc on était dans un modèle classique. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Oui, effectivement, je pars d'une structure qui faisait depuis 35 ans de la monoculture de maïs irrigué, qui mobilisait chaque année 3 000 m3 d'eau par hectare, ce qui, à l'échelle de la structure, faisait en gros une consommation annuelle de 300 000 m3 d'eau pour irriguer du maïs. Et comme l'a rappelé Xavier, se rappeler que l'irrigation du maïs, c'est pour nourrir des animaux qui sont censés être des herbivores et qu'on renferme dans des bâtiments pour les nourrir avec du maïs. Et comme le maïs est pauvre en protéines, nécessite d'importer aussi du soja de l'autre côté de la planète, qui fait qu'on importe aussi la déforestation quand on fait le choix de la production du maïs pour nourrir des herbivores qui ne mangent plus d'herbe. C'est rapide, mais ce schéma, il est clé. Ça, tu, dis, tu le dis vite. Et l'Europe importe plus de calories qu'elle n'en exporte. Le monde nourrit l'Europe. Oui, et en plus, on met en avant, tu as parlé de compétitivité, mais on met en avant la force exportatrice de l'agriculture européenne et française. Sauf que quand on décortique un peu les chiffres de l'exportation, on se rend compte qu'effectivement, l'Europe, la France est exportatrice de maïs, de blé, d'un certain nombre de productions de grandes cultures, effectivement, mais que comme elle a mobilisé ses surfaces dans ses cultures d'exportation, ses grandes cultures d'exportation, elle ne produit plus ses protéines. Et donc, elle devient dépendante de ses ressources en protéines. Puis après, je vais introduire une autre notion, c'est les accords de libre-échange. C'est-à-dire que dans un accord de 1992, qui s'appelle l'accord de Blair House, l'Europe a signé avec les États-Unis au départ, mais ça a été reversé dans les accords de l'OMC en 1995, le fait qu'en Europe, on limite nos surfaces en protéines à 5,2 millions d'hectares. Quand on sait que pour atteindre la souveraineté... Comment ? Voilà. Mais pour atteindre la souveraineté protéique de l'Europe, il faudrait produire entre 15 et 18 millions d'hectares de protéines. Donc attends, on est à 5, ouais, il faut aller à 18. 3 à 4 fois plus, oui. 5 à 18. Oui, mais ça, c'est des accords de libre-échange qui fait que pour pouvoir vendre des Mercedes de l'autre côté de l'Atlantique, il faut qu'on accepte d'importer leurs protéines. Enfin, c'est ça aussi. Ouais. Mais de toute façon, on a mobilisé nos surfaces dans ces logiques exportatrices de blé, de maïs, de tournesol, enfin, d'un certain nombre de productions, qui fait que de toute façon, on n'a pas de double surface et que ça nécessite d'importer des protéines pour compléter le déficit protéique qu'engendrent ces cultures-là. Et je reviens à mon bilan exportateur de l'Europe ou de la France, c'est que quand on décortique tout ça, en vérité, ces exportations sont compensées par les importations de protéines, et qu'en vérité, ce qui met par exemple 6 à 7 milliards d'euros positivement dans la balance commerciale de l'agriculture française, c'est les produits de luxe, c'est le cognac, c'est le vin de Bordeaux, c'est le champagne. Donc en vérité, c'est une stratégie de Shadock qui fait que, en vérité, ces chiffres s'annulent et que si demain on disait on arrête d'exporter du blé, on arrête d'exporter du maïs et donc on préserve la ressource en eau, 300 000 mètres cubes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même la consommation annuelle d'une petite ville de 6 000 habitants. Pour combien de surface ? Pour 110 hectares de maïs. Et donc, déjà, Valentine avait 600 hectares. Donc, on est à combien d'habitants, attention, si on fait ces fois 6 Non, mais tu multiplies par 6. Ben oui, c'est fois 6. Ça fait 35 000 habitants. Ah, voilà, 35 000 habitants. Non, mais c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que
en vérité, on pourrait arrêter d'exporter ça et de remobiliser nos surfaces pour produire des protéines qu'on pourrait consommer localement. Ça éviterait d'importer massivement ces protéines qui participent à la déforestation. Mais en plus, c'est qu'on allume un cercle vertueux qui fait qu'on retombe dans des logiques de rotation de culture, avec tout ce que ça apporte d'intérêt agronomique. On retrouve de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on produit ici pour nourrir ici, et on laisse la production là-bas pour qu'ils se nourrissent là-bas. Et on avance sur des sujets... parce que quand on parle d'agriculture, on a toujours tendance à resserrer le débat autour de la logique alimentaire. Alors qu'en vérité, l'agriculture, c'est un sujet central du climat, c'est un sujet central de la biodiversité, c'est un sujet central de la santé. Et donc on doit avancer sur des logiques qui font qu'au moment où on les développe, on trouve des réponses et on coche toutes ces cases. C'est-à-dire qu'on coche la case de la souveraineté alimentaire, comme je viens de l'évoquer, mais on coche aussi la case climat, on coche aussi la case biodiversité, parce qu'on préserve, on utilise moins de pesticides, voire plus de pesticides et d'engrais de synthèse, et on coche la case santé pour les mêmes raisons. Ouais. Donc, voilà, et donc c'est fondamental. Et ça me renvoie sur ma propre expérience, c'est-à-dire que moi qui pars de cette structure... productiviste, intensive, industrielle, où on produit du maïs sur des zones où hier il y avait des prairies, qu'on a retournées pour les drainer, pour revenir avec de l'irrigation, de nouveau les shaddocks, je suis désolé pour les jeunes générations, mais avec Google vous allez trouver les shaddocks facilement, vous allez savoir de quoi je parle, et ils vont rigoler. Mais on est encore dans des logiques de shaddock, et on a effacé des prairies pour produire du maïs qui renferme des animaux dans des bâtiments, donc des herbivores qui ne mangent plus d'herbe, qui nécessitent qu'on importe du... Enfin, on voit bien que ça devient manichéen entre le cercle vicieux et le cercle vertueux, et ça me permet de rebondir sur ce que disait Xavier par rapport à l'élevage, c'est-à-dire qu'on peut avoir un débat sur l'élevage qui participe au changement climatique, puisque j'ai convoqué le climat autour de l'agriculture, mais... Moi, j'élève sur des zones humides qui sont classées réserves naturelles, qui ont un statut Natura 2000, qui sont protégées et qui sont des espaces patrimoniaux où il y a beaucoup de biodiversité. Et si demain, on arrête les activités d'élevage sur ce genre d'espace où on préserve de la biodiversité, où on séquestre des gaz à effet de serre, il n'y a que deux alternatives. Où ça devient des marécages à paludisme, et là, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de fonctionnalité climatique, où on pose la charrue pour y faire du maïs. Et donc, entre les deux, on a des prairies qui sont entretenues par de l'élevage, qui participent à entretenir la biodiversité, qui participent à lutter contre le changement climatique, parce que ces herbivores, parce que ces herbivores sont présents sur ces espaces-là, ils sont beaucoup plus efficaces en préservation du climat. Je vois Émilie qui hoche la tête, et puis après, Xavier voulait faire aussi un commentaire. Donc, Émilie, pourquoi tu hoches la tête déjà? Quand Benoît parle et on entend une conviction de paysan résistant, qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce que ça résonne dans ton expérience de toi qui anime et gère un domaine de 130 hectares juste à côté d'ici? Oui, ça me fait plaisir d'entendre autant de ferveur et d'entendre tous les gens qui sont là. Quand je vois qui nous sommes, je me dis il y a déjà beaucoup de solutions sur ici. Il y a des chercheurs engagés qui défendent des scénarios auxquels beaucoup d'autres personnes, que beaucoup de personnes, voire des scientifiques, contredisent. Et maintenant, il faut arrêter de se mentir. Je veux dire, quand on voit les rapports du GIEC, quand on voit les problèmes de santé et de souveraineté alimentaire, on doit passer à une Europe agroécologique pour pouvoir rester vivant. On est dans un endroit ici qui s'appelle Agir pour le vivant, mangeons bio, serrons-nous les coudes, et quand je vois serrons-nous les coudes, je suis contente de voir qu'il y a une féminisation du mouvement. Valentine est là, je suis là, il y a beaucoup d'autres femmes qui portent des projets agricoles. Heureusement, il y a des gens issus de la paysannerie qui inversent le modèle pour recréer la chaîne de valeur. C'en est assez que les paysans gagnent 200, 300 euros par mois et qu'il y a un suicide par jour de paysans. C'en est assez à partir d'aujourd'hui. Et si on se mettait tous ensemble pour se dire qu'on a les données scientifiques qui nous prouvent que c'est possible, qu'on a les expérimentateurs de terrain, les paysans-chercheurs, ceux qui font vraiment, et qu'en fait, on a vraiment les solutions dans la main. Le domaine que j'ai la chance et l'honneur de coordonner en termes agricoles s'appelle le domaine du possible. C'est porté par Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani, du nom de la collection initiée par Cyril Dion pour dire que les solutions des enjeux de demain existent. C'est dit, voilà. Allez, hop. Oui, et donc en fait, on expérimente des formats qui sont aussi des formats sociaux. Ici, sur la scène, vous avez trois chefs d'entreprise et peut-être encore d'autres qui sont dans la salle et qui sont avec nous. Ne perds pas de fil complètement. Il faut avoir le courage d'employer les gens qui prennent soin des terres. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister à un exode urbain. Vous connaissez sûrement tous des gens des villes qui ont envie de revenir à la campagne. Et donc, il faut qu'on puisse permettre l'accès au foncier.
Il faut que l'on forme ces gens parce qu'on manque de gens compétents, Valentine et moi, et peut-être toi. On a du mal à trouver les personnes qui vont pouvoir mettre en culture nos domaines pour arriver à produire un système où on arrive à gagner notre vie. Alors c'est vrai que la Valentine, d'ailleurs, c'est important que là-dessus tu rebondis. C'est vrai qu'on l'a vu au moment du Covid, on a cherché des mains, il y a même eu une opération des mains pour des bras pour les champs. On a eu du mal en France à trouver des paysans pour aller chercher nos abricots et nos fraises. On a l'habitude de prendre des Polonais, des Espagnols pour faire ce travail. Et là, on s'est rendu compte que tout d'un coup, il y avait un trou dans la raquette. La mobilisation dont parle Émilie, là où elle est difficile, c'est que même si, comme le dit Xavier et comme le défend Laurence, il y a des modèles, il y a des chemins pour massivement changer notre alimentation et la culture et l'élevage, le problème, c'est qu'il manque deux bras. Et donc Valentine, quand elle avait ses 600 hectares, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as cherché quelqu'un ? C'est-à-dire que, en fait, c'est suite à, je crois, le premier confinement. Il y avait beaucoup de volontaires qui sont venus donner des coups de main sur les parcelles maraîchères, et c'était sympa, mais c'était pas toujours très commode parce que c'est pas toujours des gens qui savent, tu vois, qui ont l'expérience du maraîchage. Et là, j'ai, pour la première fois, me suis posé la question. Tout le monde parle de la nécessité de ces nouveaux métiers du vivant et de comment aborder ces nouvelles pratiques, mais et je me suis posé la question. Où sont formées ces jeunes personnes ? Et donc, je ne vais pas vous faire la saga de l'année dernière, mais j'ai commencé à mettre mon nez dans... Ce n'est pas le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de l'Agriculture qui est responsable de l'éducation agricole. C'est peut-être là qu'est l'os. En tout cas, et je ne parle pas des gens, des adultes qui veulent éventuellement... Enfin, qui sont ingénieurs ou qui changent de vie... Je parle de ce qui est tellement méprisé en France et qu'on résume sous le terme de bac technique, par exemple. Eh bien, ces lycées agricoles, personne ne parle de ces questions. C'est la chose la plus ringarde que tu peux imaginer. Il y a de quoi fuir dès que tu es rentré dans l'établissement. Ça ressemble à l'agriculture des années 50 et on forme des mômes qui ne veulent évidemment pas s'inscrire dans ces lycées. Donc... C'est vrai que depuis un an maintenant, on devrait créer une école. À Sevran, un nouveau, il ne s'est pas ouvert de lycée agricole. Les deux originalités de l'établissement, ce serait un lycée à 100% agroécologique, donc ce n'est pas un paquet cadeau en plus, c'est la moelle épinière du programme, c'est cela. Et l'autre originalité du projet, c'est que ce serait un lycée à deux jambes, une jambe dans le 9-3 sur la commune de Sevran, la plus pauvre du 9-3, pour l'enseignement de la théorie et pour l'internat, et pour les travaux pratiques, donc à Courance. En effet, si on n'a pas des compétences, parce qu'il faut des diplômes. Oui. Il faut des diplômes pour pouvoir être paysan. Alors là, je vais régler mon compte publiquement parce que tout le monde va lire ça dans la presse. Rapidement, je sais ce que tu vas dire, mais on ne va pas trop perdre de temps là-dessus, mais dis-le. On ne va pas trop perdre de temps, mais vous en avez déjà entendu parler dans la presse, Xavier Niel, formation, 2000 agriculteurs, ne vous excitez pas, je vais le dire pour vous, 2000 agriculteurs formés, soi-disant par an gratuitement, sensationnel. Ça n'a aucun rapport avec les besoins que nous avons, parce qu'il s'agit de donner des formations habilitantes, diplômantes, sinon ça ne sert à rien, sinon les pauvres mômes qui vont faire ces formations hors sol et vaguement sexy chez Xavier Niel, ils devront ensuite se taper une formation totalement déprimante dans un lycée agricole existant, donc ça ne résout pas exactement la situation. Donc c'est pas mal comme truc, on va faire Xavier, Benoît et puis Laurence, t'interviens quand tu veux évidemment, mais c'est vrai que c'est clair, c'est que si vous n'avez pas compris, le projet Hectare, ce sont 2000 étudiants formés gratuitement dans les Yvelines. Voilà un projet financé par Xavier Niel avec 15 millions d'euros et qui dit qu'il ouvre le plus grand campus agricole au monde. Et c'est vrai que c'est un campus non diplômant. Or, on ne peut pas être paysan sans diplôme. Donc, comme le dit Valentine, retour à la case départ et au lycée des années 50. Xavier, tu voulais peut-être à un moment tu voulais réagir sur ce que disait Benoît sur les ordres de grandeur. Alors oui, enfin et puis donc sur un ordre de grandeur, Benoît dit très vite on pourrait refaire la souveraineté alimentaire et arrêter d'exporter les céréales. Alors quand on dit ça au ministère ou à Bruxelles, parce que je m'en suis cogné aussi des réunions à Bruxelles et au ministère, on vous traite de criminels.
criminel pour la balance commerciale. Donc Benoît a dit c'est peut-être plus compliqué que ça, voilà exactement. Et criminel pour la sécurité alimentaire mondiale, parce que quand même tous les Africains, les gens du monde entier attendent des céréales françaises, comme vous le savez. En fait, un ordre de grandeur, c'est les exports de l'Europe, c'est 1% de la production mondiale de céréales. Donc, autrement dit, un gros orage dans le Middle West ou un changement de comportement alimentaire en Inde ou en Chine, c'est 10 fois plus significatif. En plus, Benoît l'a rappelé, comme on importe l'équivalent de 20% de notre surface européenne, 20%, pour nourrir nos cochons et nos poulets, on n'a pas de leçons à donner. Et les vaches, absolument. On n'a pas de leçons à donner en matière de sécurité alimentaire. Donc ça, c'est très important. Et alors, le deuxième point, c'est la question de pourquoi, pour moi, ça fait 30 ans que je bosse sur la question, et je suis désolé de le dire, ça fait 30 ans que je vois des démarches qui sont super, des gens qui sont super, des débats qui sont super, et puis ça décolle pas. Et pourquoi ça décolle pas? Je pense qu'il y a un problème d'imaginaire qui est fondamental. C'est-à-dire que cet enjeu de la courbe de production du blé, là, ce qui s'est passé de 50 à 90, les gens s'en sont toujours parmi, dans tous les bureaux des ministères, et encore une fois. Et il y a toujours cette croyance de dire le bio, c'est pas mal, mais en fait, quand on va faire des crédits d'allocation de recherche à tous les niveaux, la Commission européenne, le ministère de l'Agriculture, etc., on va en laisser des miettes pour des trucs alternatifs. Donc, il y a à travailler sur cette compréhension des enjeux et sur comment on pose la question de l'agriculture. Et je voudrais juste compléter tout ce qui a été dit en disant il y a des enjeux de production agricole, d'agroécologie, de climat. C'est très important. Mais ça va de pair avec un changement d'alimentation. Et il faut absolument coupler les deux. Le bouquin, je fais un peu de pub, je ne peux pas m'empêcher, le bouquin est préfacé par Olivier de Schutter qui bosse sur cette question au niveau européen pour vraiment introduire la question du changement d'alimentation dans la révolution du système agricole. Si on ne bosse que sur la production, on va dans le mur. Parce que ce que les gens diront à juste titre, c'est que si on continue à manger des nuggets, des machins, etc., bah on va produire bio en Europe et puis on va porter du Brésil. Non. Alors justement, Xavier, c'est parce qu'on n'en a pas parlé. Tout à l'heure, je disais que Benoît était un élu. Je n'ai pas précisé qu'il était député européen. Et il a été vice-président de la région, je crois que c'est fini. Poitou-Charentes, mais c'est fini maintenant, c'est ça? C'est fini depuis la dernière élection. Là. C'est ça, voilà. Bon. Quand on parle aujourd'hui au niveau européen de l'agriculture, on n'a pas prononcé les trois initiales qui, tout d'un coup, transforment le débat en autre chose, c'est la fameuse PAC, la politique agricole commune, qui a des cycles de négociations dont un vient de se terminer. Donc, je trouve que c'est vraiment important, Benoît, que tu arrives à peut-être expliquer quel a été le résultat de ce dernier cycle qui s'est terminé il y a un an. Qui n'est pas complètement fini. Qui n'est pas complètement fini, parce qu'on aimerait que ça soit peut-être différent, mais d'expliquer en quoi ça consiste, parce que là, pour le coup, c'est là aussi où c'est important de comprendre les leviers d'action publique dont on dispose. C'est clé, la politique agricole commune, c'est tout l'argent dépensé pour l'agriculture et l'élevage en Europe, donc c'est le nerf de la guerre. Donc Benoît, je crois que ça, c'est un sujet aussi qui t'a mobilisé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est un sujet central. Juste pour enfoncer le clou par rapport à ce qu'ont dit Valentine et Xavier, Alors moi j'ai l'habitude de dire que l'agriculture biologique, c'est peut-être pas le graal à atteindre. C'est-à-dire que moi je dis développons l'agroécologie, prenons soin de la fertilité des sols, prenons soin de la biodiversité, coopérons avec le vivant, coopérons avec la vie, et la certification à l'agriculture biologique devient une conséquence. Et je pense que le mauvais chemin, en tout cas celui qui alimente les statistiques de l'échec, c'est ceux qui disent « je veux pratiquer l'agriculture biologique, qui arrête les pesticides, les engrais de synthèse », mais qui n'ont pas réfléchi aux alternatives à l'utilisation de ces pesticides et des engrais de synthèse, et qui donc finalement sont un peu au milieu du guet. On saisit une petite opportunité bien peu reluisante d'ailleurs de captation d'un peu d'argent public, d'accompagnement à la conversion de l'agriculture biologique, mais qui finalement s'en sortent pas si bien que ça. Alors que quand la porte d'entrée c'est l'agroécologie, et que la certification à l'agriculture biologique, et c'est pas un label, et j'en profite pour dire ça aussi, c'est pas un label AB, c'est un signe officiel de qualité sévèrement et contrôlé qui garantit au moins 4 choses fondamentales: pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse, pas d'OGM, bien-être animal.
c'est au moins les quatre paramètres que vous, dont vous avez la garantie quand vous achetez un produit où il y a le logo AB, même si effectivement tous ne font pas référence à l'agroécologie. Mais je pense que pour réussir en agroécologie, il faut d'abord en agriculture biologique, pardon, il faut d'abord passer par l'étape agroécologie. Et puis pour renforcer ce que disait Xavier aussi, c'est que ce modèle agricole, il a parlé des intrants basés sur les pesticides, les engrais de synthèse, c'est un modèle agricole extrêmement dépendant du pétrole, on en a peu parlé. Mais nous avons le devoir d'imaginer l'agriculture d'après pétrole. On veut, les agriculteurs tenants de cette agriculture productiviste nous disent qu'on doit nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050. Et il nous faudra produire beaucoup avec les mécanismes que Xavier vient d'expliquer, où ces gens-là, investis d'une mission divine, croient qu'en produisant en Europe, on va nourrir tout le sud de la planète. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Il faut qu'ils arrêtent. Et il faut qu'ils arrêtent d'autant plus que les spécialistes de la ressource pétrolière nous disent en 2050 justement qu'on n'en aura plus pour synthétiser de l'azote. Je prends l'azote par exemple, il faut 1,5 litre de pétrole ou de gaz pour synthétiser 1 kilo d'azote. 1 kilo d'azote. Quand vous savez que cette agriculture productiviste mobilise entre 200 et 270 kilos d'azote pour produire un hectare de maïs, un hectare de blé ou un hectare de colza, et je ne vais pas faire la liste de toutes les productions qu'ils arrosent avec des... Ça veut dire que c'est 300 à 400 litres de pétrole par hectare et par an avant même d'avoir tourné la clé du tracteur. Et on voudrait nourrir l'humanité avec ça. Et je parle de la PAC. Et après, Laurence voulait dire quelque chose, mais on pourra revenir à la PAC. Après, je reviendrai à la PAC. Je termine la démonstration, c'est qu'en plus, c'est une injure à l'intelligence. C'est une injure à l'intelligence. C'est-à-dire que sur le modèle qui est le mien, je mobilise une calorie fossile pour produire 2,4 calories alimentaires. Dans leur système basé sur les intrants, il faut 7 calories fossiles pour produire une calorie alimentaire. Mais combien de temps est-ce qu'on va tenir comme ça? Et ils nous disent, l'argument ultime, c'est nous dire, oui, mais c'est pour produire des produits pas chers pour les faibles revenus. Donc ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont le droit de bouffer de la merde. Je suis un peu trivial, mais j'assume. Mais surtout, c'est que c'est complètement faux. C'est-à-dire que le jour, et je termine et je te laisse la parole, Laurence. Mais le jour où on appliquera scrupuleusement ce fameux principe pollueur-payeur qui est l'arlésienne politique depuis trop longtemps. Mais je vous assure que les produits que vous trouvez à Leader Price et à Lidl vont devenir hors de prix et que les seuls qui seront accessibles à tous les porte-monnaies seront les produits bio. Merci Benoît. Je dis, avant de donner la parole à Laurence, je me mets à votre place. Il y a beaucoup d'informations qui sont hyper clés et décisives. Et on ne les a pas forcément. Donc, là, c'est vrai que dans le bouquin que tu as écrit, quand même, tu en redonnes beaucoup. Parce que c'est vrai que là, je vous dis, tous ces chiffres, moi, j'adorerais les avoir par cœur, je ne les ai pas, mais j'imagine que vous aussi, il faut le temps pour les intégrer. Donc, on pourra lire le livre de Benoît. Laurence, tu voulais intervenir. Et puis après, j'ai envie de retourner chez Émilie pour raconter un truc. Juste pour réfléchir sur, enfin, les deux points que vous avez tous développés, c'est l'inertie dans les institutions qui bloque. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma carrière de recherche à l'INRA, pas comme agronome, hein, mais comme économiste. Et le poids de l'institution, le poids des mécanismes, on fait toujours comme avant. Bon, c'est dans tous les milieux, hein. Chez les diplomates, c'est pareil. Mais c'est considérable. Alors c'est atrocement vrai dans l'enseignement agricole, c'est atrocement vrai. Enfin, c'est-à-dire, vous envoyez un gamin dans une école, je sais pas, à Toulouse, ou, c'est terrible hein, ce qu'on leur apprend. Et d'ailleurs, ils sont en général, maintenant, ils sont déboutés, ils n'ont même plus envie d'y aller. Mais c'est vrai pour la recherche agronomique, c'est vrai pour la représentation syndicale, c'est vrai pour la mentalité des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. C'est là, et c'est pour ça que ce milieu-là, alors qu'il y a beaucoup de milieux économiques qui ont fait leur transition, en tout cas dans leur tête, qui savent que c'est fini, que le modèle extractiviste, il est fini. Dans l'agriculture, on prend des trains de retard. Hein. Il y a beaucoup de mal. Le milieu, il se défend, d'ailleurs soutenu aussi par le gouvernement, qui dit, mais il ne faut pas leur toucher. Le seul secteur qui n'a pas pris d'engagement précis aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur agricole. Quand on a voulu introduire la question du secteur agricole dans les négociations climat, ça a été la levée de boucliers à Paris. De qui ? Alors, par exemple, le président de la FNSEA, décédé depuis, m'a attrapé quasiment par le col. Bon, alors, j'ai une dame, donc il a fait un peu attention. Et il m'a dit, si jamais cet accord de Paris, c'est pour faire passer l'agroécologie, tu verras, je le tuerai. Bon,
qui est toujours, faut toujours faire un peu le macho quand même quand on est un dans l'agriculture. Il était capable, paix à son âme. Mais du coup, il y a ce côté, non, hein, on va être les derniers des derniers, on va creuser notre tranchée, on ne bougera pas, alors que tous les chiffres, hein, vous avez, enfin, on va discuter de à qui vont les aides, mais c'est fou, hein, mais ça, c'est les institutions. Et c'est pour ça qu'il faut casser ça. Il faut, bah, c'est ça, les institutions, pour moi, c'est le syndicalisme. Le syndicalisme, la recherche, l'éducation. Et c'est cette chaîne qui va jusqu'aux industries agroalimentaires, parce que quand même en amont et en aval, là aussi, même si en aval ils commencent à se faire du souci, hein, parce qu'ils commencent à avoir peur de mal vendre leurs produits. Et donc il faut travailler en même temps sur les alternatives, mais le passage à l'échelle, où évidemment la politique c'est très important, mais c'est aussi se battre pour dénoncer des institutions qui font reculer ce milieu qui va, c'est comme les pêcheurs, hein. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs tous les trois, Xavier il est du côté des cols blancs, hein, mais vous êtes avec vos collègues. Je me souviens, je crois que j'ai raconté ça à Lionel hier. J'ai présidé les états généraux, le volet agricole et pêche des états généraux de l'environnement au moment de Borloo, Sarkozy, tout ça, hein, d'alimentation. Non, pas l'alimentation, le Grenelle, donc il y a très longtemps. Tu sais, je suis plus toute jeune. Et ça allait très mal, les ONG, bon, Greenpeace contre le WWF, contre les agriculteurs et les pêcheurs. Et puis à un moment, un peu, bon, je me dis, bon, il faut qu'on sorte de là, donc je vais dire, je vais essayer de réfléchir à demain, comment vous voyez votre métier dans 15 ans, dans 20 ans ? Silence de mort. Et je vois, alors je me retourne vers la personne qui représentait le CNJ, un jeune agriculteur, et je lui dis, oui, comment vous voyez votre métier dans 15 ans ? Et là, il se décompose, et il dit, c'est fichu. Et pareil, il y avait un pêcheur de Bretagne, et je lui dis, comment vous voyez ? Et il me dit, dans 15 ans, c'est fichu. Il n'y a plus d'avenir. Et cet aspect de... Je trouve que cette institution, elle est un peu, j'exagère peut-être le mot, mais elle est un peu mortifère. C'est-à-dire qu'on accepte le no future. Hein. On accepte que c'est fini. Et qu'on va pêcher le dernier poisson. Et qu'on va épuiser le dernier, la dernière goutte de vie dans le sol. Et il faut sortir de ce côté pessimiste, de ce côté négatif. Et ça, c'est les institutions. Et tant qu'il y aura un certain syndicat agricole dans les bureaux du ministère de l'Agriculture, je crois qu'on s'en sortira pas. Alors, on va... On fait un peu le yo-yo entre la petite échelle et la grande échelle. On va repartir au niveau de la terre avec Émilie Rousselou. Laurence le disait, Benoît, Xavier, les institutions sont clés parce que c'est elles qui font un moment le portefeuille, qui ont aussi la réglementation, donc c'est très important. Il y a aussi la capacité citoyenne, la capacité entrepreneuriale. Et donc peut-être que Émilie, tu pourrais dire un mot de l'initiative que vous êtes en train de construire avec Jean-Paul Capitani et d'autres personnes sur le réseau des grandes fermes en Europe. C'est quoi ? Alors, moi, quand je suis arrivée ici, il y a 2 ans et demi, j'étais vraiment issue, on va dire, de la paysannerie sur les micro-fermes, donc les toutes petites fermes qui font entre 1 et 3 hectares. Et quand on m'a dit, voilà, ici, à Arles, au domaine du possible, l'idée, c'est de changer d'échelle. Et c'est même Périne Hervé-Gruyer qui m'a proposé de venir prendre ce poste de la ferme du Bec-et-Loin, en me disant, on a vraiment besoin, pour changer d'échelle, de montrer que les systèmes agraires solidaires, ça existe. Et que donc l'agroécologie, ça permet de créer plusieurs ateliers de production et qu'on boucle les cycles. Et voilà, bon, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est très bien écrit et dans les expériences qu'on fait. Et donc, quand je suis arrivée, en vérité, je connaissais peu de domaines qui soient très grands en agroécologie certifiés bio. Et heureusement, grâce à l'ensemble des gens qu'on a fini par rencontrer, le réseau qu'on a constitué, la recherche qu'on fait aussi avec Delphine Laurent qui fait une thèse avec le CIRAD sur ce changement d'échelle, ben on a pris connaissance de plein d'initiatives. En France, il y a une carte là, qui est sur notre site, on en a repéré plus d'une cinquantaine de fermes qui font plus de 30 hectares, qui sont certifiées en agriculture bio et qui ont au moins 2 ateliers de production. Et donc, il y a effectivement chez Valentine, chez Benoît, chez Félix Noblia, la ferme des Volonteux, la ferme de la Tournerie, donc toutes sortes de modèles sociaux, qui soient soit des salariés, soit des ingénieurs agro qui se mettent ensemble, soit une coopérative de création d'activités, etc.
Et donc, l'objectif de ce réseau, on a fait une première rencontre cet hiver, on souhaite en faire une autre l'hiver prochain, c'est en fait de rassembler les grandes fermes et les grands domaines en agroécologie en Europe, avec une grande ambition, qui est déjà de se connaître, de se reconnaître, parce qu'on ne se connaît pas forcément, et comme le disent les écosystémistes, c'est aussi en créant du lien avec les gens qu'on est dans une bonne santé et qu'on arrive à ne pas désespérer dans cette politique mortifère, à se dire « mais si, on est nombreux, on est là, et donc si on se connaît et qu'on s'échange des informations, on va y arriver plus vite et avec beaucoup plus d'entrain ». Et à la fois, ce réseau, ça pourrait, j'espère, au niveau de l'Europe, être vraiment une plateforme pour l'éducation, parce qu'il faut effectivement qu'on change toutes les institutions jusqu'à celle-là. Et donc, je rêve qu'on crée un Erasmus, un interrail de l'agroécologie en Europe, et que donc, on puisse avoir des formations avec des troncs communs dans des endroits, des établissements, en s'appuyant sur ce qui existe déjà, parce que les lycées agricoles, ben, ils sont aussi en mutation, donc on va s'appuyer, on va être avec eux, et en même temps, faire des parcours professionnalisants, diplômants, dans toute l'Europe pour aller voir le mieux qui se fait en Autriche, le mieux qui se fait en Roumanie, et pour après pouvoir avoir les savoirs les mieux partagés pour bah, réussir à changer ce changement d'échelle qu'on fait, de s'inspirer de tout ce qui existe déjà pour réussir. Parce que c'est bien, tu es la première à avoir prononcé le mot rêve d'Europe, enfin en tout cas rêve, c'est vrai que c'est quand même la thématique de la journée, c'était pas évident, tu as réussi à le placer à travers une activité. Moi, je voudrais te dire justement avec Valentine et Benoît, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous vous êtes retrouvés à table. Et ce qui était frappant, justement, et c'est là où ça montre qu'on a besoin de relier ceux qui sont partis déjà dans un engagement concret, c'est que Valentine et Benoît et Émilie, vous étiez tout de suite à travailler, à discuter de comment vous travaillez le couvert de vos cultures, etc. Quelle machine tu prends, quasiment le modèle du tracteur. Ah non, Benoît disait non, mais attends, ce modèle-là, il sort. Enfin bref, c'était technique, c'était assez engagé et passionné. Je ne sais pas comment Valentine et Benoît, là-dessus, vous réagissez sur ce réseau et ce besoin que vous avez de vous regrouper. Valentine, tu te sentais seule, toi, quand tu es partie dans tes grandes cultures Je crois que c'est un milieu assez taiseux. Et donc, quand j'ai démarré, je ne comprenais rien et personne ne m'expliquait rien. Et je pense que c'est vu que le temps est compté, je pense qu'on a tous intérêt à partager FISA, les résultats, les bouillons qu'on se prend, mais aussi les succès, avec la petite nuance qu'aucun modèle ou aucun succès n'est exportable directement. Chacun devra faire sa cuisine en fonction de son territoire. Mais tout de même, c'est un peu encourageant si on a les chiffres à disposition des uns et des autres, que ce retour d'expérience puisse en effet encourager ceux que d'autres à prendre des risques et peut-être à prendre moins de gadins et que les choses changent. Laurence. Oui, et d'autant que Xavier avait raison de me dire ça, dans la recherche, ça bouge beaucoup, hein. Et moi, j'ai vu mes collègues à l'INRA, y compris du point de vue de la direction scientifique, changer beaucoup. Et c'est vrai dans plein d'institutions scientifiques. Donc, ça peut... Il y a Benoît qui dit, on parle de la PAC. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a 20 minutes. Mais peut-être avec Xavier, après, vous pouvez faire ça à deux voix. C'est en effet, je redis, voilà, on remonte après être passé donc, sur le réseau des grandes fermes. On remonte maintenant au niveau européen avec la PAC. Xavier et Benoît, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Moi, je vais effectivement partir du constat, et on en a déjà brossé un certain nombre. On a parlé un peu de ces dérives du système agricole, et malheureusement, ce que je vais vous dire est pas satisfaisant, dans la mesure où la politique publique de l'Europe, la politique agricole commune en l'occurrence, contribue, participe largement à entretenir la situation qu'on vient de vous décrire, et qui malheureusement est beaucoup trop timorée sur l'accompagnement des alternatives qui, elles, fonctionnent. La PAC, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a émergé en 1993, au moment où on a commencé à distribuer des aides publiques pour accompagner le revenu des agriculteurs par unité de surface. Et ça, c'est la première explication de ce qu'on vient de brosser, des constats, on pourra en faire plein d'autres, mais en tout cas, sur un certain nombre de sujets, qui est la concentration des structures, c'est-à-dire que les structures sont de plus en plus vastes. Par un mécanisme très facile à comprendre, c'est qu'on aide les agriculteurs par unité de surface, et plus on a de surface, plus on a d'aide. Ça, c'est important, oui. Et plus on a d'aide, plus on a de surface, et c'est ce que je disais à table tout à l'heure, c'est ce que j'appelle la politique cannibaliste de l'agriculteur, c'est-à-dire que les agriculteurs se bouffent entre eux pour aller chercher la rente d'argent public qu'il y a derrière chacun des hectares. On a fait le constat également que l'agriculture est victime du plus grand plan social observé par rapport à d'autres secteurs d'activité. On a perdu 50% des agriculteurs en 20 ans. Et au niveau français ou européen ?
C'est à peu près. Alors, il y a des disparités parce que dans les pays nouveaux émergents de l'Union européenne et notamment les pays de l'Est, il y a encore une population agricole dans la ruralité qui est importante. Mais dans les pays historiques de l'Europe, enfin en tout cas ceux qui sont les pays fondateurs de l'Europe, c'est un constat qui est à peu près récurrent. Qu'on parle de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, on est sur des chiffres qui sont absolument inquiétants. Et donc, le pendant de ça, c'est qu'on n'a plus de vocation à l'agriculture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeunes qui se tournent vers les métiers de l'agriculture. Et quand ils se tournent vers les métiers de l'agriculture, ils ont ce système tentaculaire dont Laurence vient de parler, qui bloque absolument tout. La SAFER, le Crédit Agricole, les coopératives, la MSA, les chambres d'agriculture. Et donc, on voit bien ce système tentaculaire qui verrouille complètement la possibilité à des jeunes d'accéder au foncier. Donc, on voit aussi, on explique pourquoi l'installation en agriculture est parfaitement en berne par rapport à ce système de rente d'argent public derrière chaque hectare qui fait que les propriétaires de fonciers gardent leur surface et touchent les aides publiques plutôt que de les céder à des jeunes. Mais ça n'a pas changé ça en 2020 avec le dernier cycle. Alors. Non, troisième constat redoutable, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, ce n'est pas que un enjeu alimentaire, c'est un enjeu du climat, c'est un enjeu de la biodiversité, c'est un enjeu de la santé publique, c'est un enjeu de revenus des agriculteurs. On a parlé de ces agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros par mois pour un tiers d'entre eux. Donc ça, c'est extrêmement alarmant. Et pourtant, quand on regarde comment on distribue cet argent public, on se rend compte qu'on tombe dans ce vieux ratio qui nous poursuit depuis la révolution des 80-20, 80% de l'enveloppe captée par 20% des acteurs, ce qui veut dire en creux que les 20% d'enveloppe restants sont captés par les 80 autres restants. Et donc c'est ce qui explique que des agriculteurs sont en grave difficulté économique, et c'est aussi ce qui explique qu'on n'a pas réussi à orienter ces enveloppes publiques vers des logiques plus vertueuses, et donc c'est ça qui est alarmant. Alors où on en est ? Effectivement, on est sur une PAC qui aurait dû être mise en œuvre cette année, en 2021, qui a été imaginée par la Commission européenne en 2017. Les débats ont débuté avec le Parlement européen en 2018, et sous l'impulsion de mon ami José Bové, on a évité le vote, la conclusion de cette PAC à la fin de la mandature en 2019. Ce qui fait que nous, les nouveaux arrivants en 2019, on a pu à nouveau discuter de cette PAC et surtout dans un contexte où, dans cette mandature-là, apparaît le Green Deal européen, le pacte vert où on a des ambitions. On en parlera tout à l'heure, juste après. Voilà, mais où il y a des ambitions élevées. Et là, on voit, dans cette mandature, dont le socle fondamental, c'est ce Green Deal, une politique agricole commune qui pèse presque 40% du budget total de l'Union européenne. C'est le plus gros budget de l'Union européenne qui est tourné exactement aux antipodes des ambitions de ce Green Deal. Et donc le boulot qu'on a tenté de faire, la nouvelle mandature depuis 2019, c'est de dénoncer le fait que cette PAC qui est sur la table est complètement aux antipodes de ces ambitions-là. Et malheureusement, au fil des procédures, donc moi j'ai déposé un amendement de rejet en octobre 2020 de la PAC avec mes collègues verts, j'ai réussi à les convaincre de m'accompagner sur cette idée d'un amendement de rejet. Et c'est sans précédent, c'est-à-dire que pour la première fois, on a une formation politique qui dénonce ouvertement cette PAC et donc qui dépose un amendement de rejet de la PAC. Il n'est pas question de dire on ne veut plus de PAC, il est question de dire on ne veut plus de cette PAC-là. On veut d'une PAC qui rémunère des services rendus pour l'intérêt commun. Donc, amendement de rejet, qui quand même a été voté par un tiers des eurodéputés. Alors, ça ne suffit pas. Dans une démocratie, il faut plus de la moitié des votes pour enlever un arbitrage. Mais plus du tiers des députés ont voté cet amendement de rejet. Donc, c'est quand même un signe fort. Donc, ensuite est entrée ce qu'on appelle la phase de trilogue, où discutent ensemble le Parlement européen, le Conseil et la Commission, où... À l'issue du trilogue, et c'est ce qui a été conclu fin juin 2021, on est sur un trilogue qui a encore affaibli la copie de la PAC sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux sociaux. Et donc là, on va voter la PAC en novembre 2021, là, en deuxième lecture au Parlement européen. Et donc, le combat que je mène avec mes collègues qui veulent bien m'accompagner, c'est de proposer un vote pour rejeter cette PAC et dire... On la plante en 2021, en novembre 2021, on plante cette PAC. Et si on plante la c'est PAC... C'est pas trop tard pour le faire, ça. Non, c'est jamais trop tard pour bien faire. Si on plante cette PAC en novembre 2021,
ça entraîne quoi comme conséquence? Ça veut dire qu'on doit réécrire cette PAC. Et si on réécrit cette PAC en 2021, on ne peut pas faire abstraction des trois rapports de la Cour des comptes de 2018, de 2020, de 2021. On ne peut pas faire abstraction de la feuille de route pour le climat qu'on a votée au printemps 2021. On ne peut pas faire abstraction de l'urgence climatique, de l'état d'urgence climatique qu'on a voté en 2019. On ne peut pas faire abstraction du Green Deal et de la stratégie pour la biodiversité qu'on a votée en juin 2021, de la stratégie de la ferme à la fourchette mais qu'on va voter. Mais c'est en cohérence. Mais oui, c'est-à-dire que si on la plante, il y a eu tellement d'événements autour de ces enjeux de climat, de biodiversité, de souveraineté alimentaire avec la crise de la Covid, qu'on ne pourra pas décemment écrire une PAC à ce point aux antipodes du Green Deal. Et donc c'est ça l'enjeu de voter la PAC. C'est pas de dire on veut plus accompagner l'agriculture, c'est on accompagne une autre agriculture, on accompagne la transition et on met en cohérence les politiques publiques avec les grands enjeux. Il faut qu'on soit au rendez-vous de l'histoire. Donc il y a une mobilisation en novembre 2021, la salle est attendue. Et devant le Parlement européen, à Strasbourg, c'est pas bon. Et tu as raison parce qu'on a voté, on a mis en place nous le groupe des écologistes. Alors je suis désolé, je suis un peu de politique, mais t'avais dit que t'étais un élu pour. Voilà, un élu fait de la politique, même s'il est pas, même si c'est pas la politique qui le fait vivre. Bon, mais on va pas rentrer dans ce débat sémantique. Mais on a mis un dispositif qui s'appelle Vote Discap Down. Alors c'est encore. Voilà, c'est vraiment Discap Down, c'est de la musique. Anglais, mais Vote Discap Down, vous pouvez tous les citoyens. Intervenir, c'est-à-dire que vous allez sur le site des Verts, vous dites moi je veux pas voter, je signe votre discap down. Et le principe de votre discap down, c'est que chaque fois qu'un citoyen va signer votre discap down, il y a un mail qui arrive sur la boîte mail des eurodéputés qui veulent voter cette PAC en leur disant nous on n'en veut pas. On a mis ça en octobre 2020. Monsieur Pascal Canfin a reçu 35 000 mails et il était pas content. Donc okay. Je vous invite à ce qu'on multiplie par 100 les mails sur la boîte de Monsieur Canfin. On pourra en reparler d'ailleurs, parce que c'est un problème, c'est qu'après les élus finissent par bloquer leur boîte mail. C'est vrai, hein. Ils n'en peuvent plus. Mais bon. Après, il y a les téléphones, il va balancer le téléphone. Xavier, Émilie, puis après on se tourne vers vous. Xavier, tu voulais peut-être compléter Ouais, super rapidement. Alors, pour expliquer pourquoi ça bloque, je pense qu'il faut comprendre que, d'une part, on a tous les rapports. Tous les arguments, Benoît a expliqué les rapports de la Cour des comptes. Vous avez des chercheurs, des ONG. On sait ce qu'il faut faire en matière de PAC. On pourra discuter, mais on sait ce qu'il faut faire. Il faut arrêter le paiement par hectare. Benoît l'a dit. Il faut payer les services environnementaux. Il faut favoriser l'emploi, etc. On sait ce qu'il faut faire. C'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui bloque. Et je reviens à ce que disait Laurence. Il faut être conscient que ce qui fait très peur aux chefs d'État, c'est un. Le taux de retour sur le budget de les agriculteurs. C'est-à-dire quoi le taux de retour sur le budget? C'est-à-dire qu'un État, il donne de l'argent au budget de la PAC et lui il considère que pour avoir bien négocié, il faut qu'il ait au moins autant d'argent, le maximum d'argent qui revient de la PAC. Après le contenu, les négociateurs, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le fric. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et le deuxième, c'est que cette PAC, elle paye des tracteurs de plus en plus gros. Et avec 10 agriculteurs, vous faites une manif qui fout la trouille au gouvernement. Mais c'est absolument terrible. Donc il y a un rapport de force physique à cause des tracteurs. Mais c'est vrai. Je pense que les routiers, les pêcheurs, le jour où l'armée pourra faire grève, le gouvernement aura très très peur. Mais les agriculteurs, ça fait peur. Donc ça permet de comprendre pourquoi, malgré tous ces arguments de bon sens, on marche sur la tête, etc., il y a quand même des choses qui bloque. Donc moi, ce que je pense, c'est aussi pour faire bouger les choses de l'intérieur. Bon, parfois, on désespère quand même, Benoît, un petit peu, de se dire, quand tu es dans les commissions agricoles et que tu entends toujours les mêmes salades depuis 30 ans, bon, tu te dis, OK. Je pense que les forces sociales, elles doivent aussi venir de l'extérieur et s'intéresser aux enjeux d'agriculture. Donc, il y a la santé dont on a parlé, les pesticides, il faut pourrir les pesticides, c'est très grave pour notre santé. Il y a le Covid, il y a le bien-être animal, c'est très grave, c'est insupportable d'avoir ça. Donc, les forces de changement, elles viendront quand les politiciens feront leur balance en disant « j'ai la pression des tracteurs qui me fait peur, mais j'ai la pression des consommateurs, des électeurs qui doivent me faire peur ». Donc, il faut foutre la trouille aux politiques, sinon ils ne bougeront pas. Émilie, tu voulais un moment réagir quand c'était Benoît qui parlait de... Oui, aucun souci. Ben, je voulais juste vous dire qu'effectivement, je parlais tout à l'heure des micro-fermes, juste pour que tout le monde en ait bien conscience. Les petits agriculteurs, comme moi, quand on parle des petites fermes, en fait, on ne va même pas demander la PAC.
C'est-à-dire que tous ceux qui ont des micro-fermes, les petits maraîchers, le petit gars qui fait des légumes bio, qui vous livre en AMAP, etc., on a même pas, ça ne sert à rien qu'on demande la PAC, parce que de toute façon, on ne touchera rien. Même le dépôt du dossier PAC va nous coûter plus cher que ce que la PAC nous donnerait, qui serait peut-être, imaginons, 200 euros hectare. Bah, si vous avez 3 hectares, ça fait 600 euros. Ça vous coûte 500 euros de déposer, donc ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment cette question, moi, qui ai expérimenté les deux échelles, qui est la petite et la plus grande, que, voilà, quand il faut savoir que la plupart des gens qui vous nourrissent en légumes ne touchent 0 euro de la PAC. Ouais. Et il y en a 1 sur 3 qui ne gagne que 350 euros par mois. Donc à un moment, il est temps. C'est un mararaîcher bio, on va le dire, c'est important, c'est 600-700 euros un maraîcher bio en c'est moyenne ça. De revenus mensuels. Et en effet, ce sont des personnes qui ne sont pas aidées parce que le coût du dossier, il faut prendre un consultant pour comprendre le fonctionnement des aides. Ça coûte 250 balles, c'est ça ? Presque 500, ça dépend du nombre d'hectares. Bah, c'est bien, du coup, en même temps, c'est bien pour les consultants, mais pas pour les potagers ou les maraîchages. Donc ça, c'était juste pour donner un témoignage vraiment terrain de ce que c'est que la PAC et qu'en fait, il y a quand même beaucoup de paysans qui ne touchent rien de la PAC, notamment ceux qui essayent de produire des bons légumes bio. Et l'autre chose que je voulais vous dire, parce qu'on parle de rêve, c'est qu'en fait, franchement, moi, ce qui m'enthousiasme dans tout ce qu'on voit et les choses que je vois quand je suis allée visiter chez Valentine, j'ai pas encore été chez Benoît, mais j'ai hâte, et tous ces grands domaines et ces grandes fermes qui se mettent en œuvre, c'est que ça donne la banane. On voit des gens qui sont heureux, franchement, quand vous devenez paysan, vous vous mettez à donner à manger aux gens. Et quand vous arrivez à leur donner à manger aux gens des bons aliments, bons pour leur santé, en créant ce lien, en faisant à la fois des paysages magnifiques, etc., franchement, c'est enthousiasmant. Donc les solutions, ça met la pêche quand on voit toutes ces fermes et tous ces paysans qui s'unissent pour arriver à changer d'échelle. Franchement, si on vous mettait tous à la Commission européenne, là, ça ferait une belle équipe. Avec Laurence, je pense qu'il faudra qu'on en parle. À vous la parole, la salle, les courageux du dimanche. Moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est qu'il faut replacer l'agriculture dans un débat de société. C'est ça le problème, c'est qu'on l'a confiné dans un débat agricole de spécialistes. Et donc c'est pour ça qu'il faut donner la parole à la salle, parce qu'il faut en faire un vrai débat de société. Mais surtout qu'après, il faudra aller signer le truc anglais. Là. Ouais, mais ça, elle change de nom, Benoît, parce que ton disque Andin, là, je sais pas, envoie un mail, c'est simple, mais disque Andin, bon. Alors, la parole à la salle. Qui a des questions là-bas? Une main se lève, on va en prendre 2-3 à la fois. Si... Mais déjà, commençons par la main levée. Okay. Oui, pardon. Bonjour, merci à tous déjà d'être venus, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question, je suis bénévole dans le climat, dans une asso depuis 3 ans. On fait des marches, on fait de la désobéissance civile, et y a peu de choses qui bougent, on regarde la loi climat qui vient de passer. Et du coup, j'avais une question, comment on fout la trouille? Parce qu'en fait, nous, on a... Du coup, plus beaucoup de marge de manœuvre, on fait du plaidoyer. Comment on fout la trouille? Ouais, et en fait, du coup, on se dit, en fait, on fait quoi maintenant? Parce que ça marche pas, ça bouge pas, et nous, on est encore là, on est encore motivés, et il y a encore des forces. Et c'est des mobilisations autour de l'agriculture ou non ça ne... Alors, c'est climat, mais je suis aussi pour l'agriculture dans une autre asso. D'accord. Et on fait des actions de désobéissance. Mais visiblement, ça ne fout pas la trouille. Alors, voilà. Alors, première question, comment on fout la trouille? Est-ce qu'il y a une autre question qui... Il faut faire nombre pour foutre la trouille. Hein. Il faut faire nombre. Et puis après, il faut peut-être qu'on trouve des enveloppes publiques pour proposer aux ONG comme Greenpeace, comme les Jeunes pour le Climat, d'acheter quelques gros tracteurs, même d'occasion, ça marcherait. Hein. Et leur dire, nous aussi, on peut montrer les muscles avec nos gros tracteurs qu'on pourrait décorer à l'effigie. Enfin, voilà, moi j'ai plein d'idées sur l'action. Il y a un atelier qui va être monté. Tu sais qu'il y a des résidences. Voilà. Agir pour le vivant. Je sens la résidence tracteur d'occasion qui se monte. Mais pour ce fameux dispositif là qu'on essaie d'imaginer, on travaille beaucoup avec les Jeunes pour le Climat et Greta Thunberg, j'ai eu deux réunions avec elle cet été. Et on va essayer de mobiliser, mais faut faire nombre. Rapidement, parce qu'on va après, c'est le moment de la salle aussi, mais à la fois que Xavier et Émilie. Moi, je dirais que je trouve qu'il faut surtout donner envie. Donc, donner envie, c'est célébrer, faire la fête. Quand il y a des journées portes ouvertes dans les fermes, allez-y. Quand des paysans vendent des légumes en direct, allez-y. Franchement, ce qui est le plus dur pour nous paysans, c'est d'être tout seul. On a besoin de vous voir dans les fermes. Ça, c'est quand on fait une fête, faites une fête. Si vous voyez que le paysan d'à côté de chez vous, il n'arrive pas à faire une fête parce qu'il n'a même pas le temps, proposez-lui. Tu veux que j'organise un concert chez toi? On fait une fête au printemps? Allez. Et c'est vraiment, voilà. Donc je dirais que se réjouir et célébrer, c'est vraiment aussi important. Okay, merci.
Alors, faire la trouille, filer la trouille, c'est une question qui fout la trouille, parce que c'est pas facile de répondre. Moi, je me référerais à ce que disait Claire Nouvian dans le film Animal, en disant, en fait, faut continuer. Et il faut multiplier les études, etc. Parce que, en matière de perception des enjeux au niveau de la presse, ça a beaucoup bougé. Au niveau de la recherche, l'INRA a lancé un programme de comment produire sans pesticides en Europe. Je peux vous dire qu'il y a 5 ans, ils auraient posé la question comment produire en optimisant les pesticides. Donc, ça bouge, et ça bouge d'extérieur. Donc, il faut continuer. Et par rapport au registre d'action, l'année dernière, j'avais écouté la conférence de Cyril Dion sur quel récit pour l'environnement. Et moi, je pense qu'il y a 3 registres. Il faut faire la fête, il faut avoir des utopies. Donc, je fais encore de la pub pour mon bouquin, parce qu'il parle de ça. T'iras signer après. Voilà, que j'irai signer après. Donc, il faut faire rêver. Il faut valoriser les expériences. Cyril Dion, il identifiait 3 registres. 1, faire rêver en décrivant une utopie. 2, valoriser tout ce qui se fait sur le terrain et qui est les utopies. 2, valoriser tout ce qui se fait, donc les réseaux des grandes fermes, etc., pour montrer qu'il y a des accroches sur le terrain. Et 3, foutre la trouille. Et donc foutre la trouille, c'est parler des cancers, c'est parler de l'assèchement de l'eau, c'est parler du changement climatique, c'est parler du lien entre changement climatique et perte de biodiversité, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait un seul registre qui soit suffisant. C'est vraiment la combinaison des 3 qu'il faut considérer. Je ne sais pas si ça suffira, mais les choses bougent. Il ne faut pas non plus complètement désespérer. Une autre question. Témoignage. Une main, c'est deux mains. Alors, le monsieur là et après la dame après. Je fais dans l'ordre du levage de main. Hein, c'est pas... Voilà. Voilà. Monsieur, là, non, mais voilà. Levez-vous, c'est bien. Comme ça, on vous voit. Un bel homme. Fais une petite pause, c'est bien. Mais là, on m'entend. Voilà. Bon. Une question. Il est clair que le revenu agricole dépend largement des prix et que le revenu agricole est donc le moteur de la recherche d'augmentation du rendement pour l'agriculteur. Et au centre de l'augmentation du rendement, c'est là que jouent tous les facteurs qui mettent en jeu l'environnement. Ma question, c'est, il y a des produits reconnus comme agriculture biologique et puis ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'on a une idée de la pression qu'exercent les produits reconnus agriculture biologique sur la baisse des produits qui ne le sont pas ? Peut-être juste parce qu'on va prendre aussi, parce que parfois les questions, il y a une dame au deuxième rang. Merci. Moi, je voulais savoir si vous connaissiez, enfin, qu'est-ce que vous pensez plutôt, parce que je pense que vous connaissez l'association Terre de Liens, qui permet de faciliter, vous en parliez tout à l'heure, la difficulté d'accès aux fonciers agricoles. Vous la connaissez, vous l'animez ? Non, pas du tout, je l'ai découverte récemment, et je crois que ce qu'ils faisaient me semblait fort approprié. Oui, c'est vrai, peut-être que, je ne sais pas qui voudra en parler peut-être. Il y a Benoît qui veut réagir. Je veux déjà réagir à la première question, mais allez, je laisserai, alors Terre de Liens c'est super, mais je laisserai d'autres en parler, parce qu'il faut partager le temps de parole. Mais sur la première réaction, monsieur, non, le revenu des agriculteurs n'est pas exclusivement lié au rendement. Ça, c'est le premier biais cognitif de leur logique. Et le graphique de Xavier était édifiant. C'est-à-dire que le rendement supplémentaire exige des coûts de production qui sont parfois supérieurs aux gains de productivité qu'ils ont acquis. Sauf que au-delà du coût de ces coûts de production pour aller chercher ce gain de productivité,
on accélère de façon absolument irresponsable le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et la contamination des ressources vitales que sont l'eau qu'on boit à chaque instant, enfin chaque jour, et l'air qu'on respire à chaque instant. Donc ça, c'est une vue de l'esprit. Et je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le jour où on appliquera scrupuleusement le principe pollueur-payeur et qu'on demandera à tous ces utilisateurs de pesticides, d'engrais de synthèse, d'adosser au prix de vente de leurs produits ce que ça coûte de politiques curatives supportées par la collectivité, rien que sur la ressource en eau. Accrochez-vous à votre fauteuil, vous êtes contribuable et vos impôts servent à ça. Rien que sur la pollution de l'eau par les activités agricoles, et je ne parle que des activités agricoles, c'est une facture comprise entre 50 milliards d'euros et 90 milliards d'euros par an, entre 5 et 9 fois la PAC. Donc le jour où on aura des élus, j'ai bien dit élus, qui auront le courage et l'audace politique de dire on arrête d'utiliser cet argent sans augmenter d'un centime la politique fiscale utilisée sur ce pays. Le jour où ces élus auront l'audace et le courage de dire on arrête avec ces politiques curatives et on adopte des politiques d'anticipation, des politiques préventives, et que ces 50 à 90 milliards d'euros sont mobilisés pour accompagner les agriculteurs dans d'autres logiques de production et qu'on les rémunère, et le mot, on fait de la sémantique encore, mais on les rémunère parce qu'ils rendent service à la biodiversité, parce qu'ils rendent service au climat, parce qu'ils rendent service à notre santé, on va booster le revenu des agriculteurs sans augmenter d'un centime, je répète, la fiscalité, et le coût du produit n'est plus le revenu de l'agriculteur, en tout cas n'est plus la part essentielle du revenu des agriculteurs. On le rémunère pour autre chose, mais en tout cas, il faut arrêter d'imaginer que c'est en allant chercher des rendements supplémentaires qu'on y arrive. Alors, et rapidement sur les pesticides certifiés en agriculture biologique. Il y a deux micros après que se sont levés, mais vas-y rapidement, tu l'as dit. Juste. Effectivement, il y a des produits autorisés en agriculture biologique. J'ai regardé la façon dont sont utilisés les produits autorisés en agriculture biologique sur le site officiel de l'Agence sanitaire européenne. C'est Epsilon. Les producteurs bio ne les utilisent pas. C'est-à-dire que ces produits autorisés par l'agriculture biologique sont aussi autorisés par les agriculteurs chimiques et conventionnels et intensifs. Et donc, la pollution par le cuivre des sols, par exemple, on la retrouve sur les sols qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc, là aussi, ce biais cognitif qui consiste à dire qu'on retrouve du cuivre à cause... Valentine va dire un mot et après... L'EFSA nous dit que les sols saturés en cuivre, c'est chez les conventionnels. Oui, mais dis que quelquefois, Donc, moi, je suis agriculteur bio depuis 2007. Je touche du bois. J'ai jamais fait la pulvérisation du moindre traitement. J'ai même pas certifié pour utiliser les pesticides, même si on pourra en utiliser en agriculture biologique. Quand on fait de l'agroécologie, on n'a pas besoin de pesticides. Alors, Valentine, je vais donner un petit encouragement parce que Valentine, après la vision politique est évidemment la synthèse la plus inspirante, mais d'un point de vue pragmatique sur le terrain. Avant de passer en bio, moi, ce qui m'a vraiment épatée, c'est que je me suis d'abord préoccupée de réduire les charges, parce que vous parliez, monsieur, des rendements, mais je me souviens, à la fin de sa vie, mon père qui me disait « on sablait le champagne quand on avait fait plus de 100 quintaux l'hectare ». Et je trouvais ça, enfin, je m'en foutais un peu, mais je trouvais ça assez emblé. Mais il me disait aussi « mais... en fait, je trouve ça phénoménal, mais je ne suis pas sûre que ce soit tellement génial parce que les charges augmentent de manière exponentielle, totalement parallèle. Donc l'intérêt, c'est le profit, ce n'est pas le rendement. Donc c'était vraiment une illusion. Bref, donc avant de passer en bio, et vu qu'il y avait 0 € à la ferme, je n'avais pas une brouette, il n'y avait pas d'argent, enfin, c'était franchement assez sport pour démarrer, quand je dis « je », c'est une petite équipe, en tout cas un chef de culture, et moi, on s'est vraiment employé à réduire les coûts. Par exemple, je ne sais plus qui parlait du pétrole par hectare. Quel était le chiffre que vous disiez tout à l'heure? 300 à 400 litres. Bon, aujourd'hui, moi, je dépense 40 litres par hectare, récolte comprise. Donc,
Parce que quand vous passez en bio, juste pour un petit peu de culture générale, il faut savoir que vos rendements, précisément, vont s'écrouler entre 40 et 60% et que vous avez 3 années de galère où vous ne pouvez même pas vendre au prix du bio. Donc c'est perdant-perdant, des rendements qui s'écroulent et des prix du conventionnel. Pourquoi on n'a pas le droit ? Parce qu'il faut 3 ans. Parce qu'il faut nettoyer le truc et que tu es un peu suspect pendant 30 ans avant d'être clean. 3 ans. Qu'est-ce que j'ai dit ? 30. C'est un lapsus révélateur. Donc, les galères sont encore pendant 30 ans, probablement. Et non, mais ce que je voulais dire, quelque chose de qui donne du courage ou de l'optimisme, c'est qu'à ma grande surprise, la nappe phréatique qu'il y a sous la propriété, qui alimente 13 ou 15 villages, en 3 ans, avant même qu'on passe en bio, était redevenue buvable. En 3 ans. Alors qu'elle n'était pas avant. Elle ne l'était plus. Alors. On ne va pas faire de l'agronomie, ce qui est un petit peu plus difficile, et on ne va pas faire, je répète, des choses, parler trop techniques. C'est s'il s'agit de recréer des sols vivants, de ramener la vie dans les sols, ça, c'est des décennies. Mais c'est faisable. Émilie ? Oui, sur c'était les... Terre de Liens, la deuxième question, oui, sur l'association Terre de Liens. Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être d'expliquer en un mot en quoi elle consiste. Oui, Terre de Liens, donc je crois que c'est une association, je ne voudrais pas dire de bêtises, et donc qui achète des terres et qui les met à disposition de gens dans le cadre de conventions de baux qui encouragent notamment l'agroécologie, etc. Il y a par exemple la ferme des Volonteux, qui est une des fermes avec 11 ingénieurs agro qui se mettent ensemble pour arriver à créer une ferme en polyculture élevage bio qui a été achetée par Terre de Liens. Donc ils permettent à des gens qui ont envie de s'installer agriculteur et qui n'ont pas les moyens d'acheter une ferme. Une petite ferme, c'est 200, 300 000, 400 000 euros. Et un grand domaine, c'est 1 million, 2 millions, 10 millions. Enfin, c'est tout ce que vous, enfin, toutes sortes de prix qui sont effectivement, en général, inaccessibles pour les paysans. Surtout si vous imaginez que dans votre budget prévisionnel, votre salaire mensuel va être entre 300 et 1 500 euros par mois, vous voyez. Donc, effectivement, heureusement, Terre de Liens nous permet à tous ceux qui sont non issus du milieu agricole d'accéder à ils des terres. Ils t'ont aidé, toi ? T'as été aidé par eux ? Non, moi, j'ai loué des terres et maintenant, j'ai réussi à acheter une ferme. Mais non, je ne suis pas... D'accord. Merci. Peut-être une dernière question, puis après... oui, sur le côté. Bonjour, bonjour. Ah non, pardon, du coup, je n'ai pas vu, moi. Oui, ah, d'accord, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. J'étais pilote, derrière le poteau. D'accord. Donc, c'était à propos de la formation agricole, je voulais dire un petit mot. On a beaucoup parlé de formation initiale, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter un élément dans la politique agricole commune qui consisterait à faire de la formation continue pour les agriculteurs ? On a tous eu... Enfin, moi, j'écoute la radio, et je suis très citadine et j'écoute la radio, hein, mais à la radio, on a souvent entendu des témoignages de jeunes néo-ruraux qui décident de s'installer et qui se font, entre guillemets, maltraiter par les agriculteurs du bled dans lequel ils décident de s'installer, parce qu'ils ne sont pas d'ici, etc. Les agriculteurs estiment, de mon point de vue, après peut-être que je me trompe, mais que tant qu'on n'est pas du coin, on n'a pas de raison d'être là, en gros. Et je pense qu'il y a un vrai problème pour les jeunes de s'installer, aussi pour une forme d'acculturation de l'agriculteur à l'ouverture aux nouveaux qui arrivent. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas inclure dans la politique agricole commune un volet sur la formation continue des agriculteurs, à la fois sur l'ouverture de nouvelles pratiques et puis simplement sur l'ouverture sur le monde ? Parce que l'agriculture, c'est plutôt sédentaire, donc ce n'est pas les gens qui voyagent le plus. Voilà. Pas simple comme programme. C'est la question de la formation en général. Ça ne demande pas vraiment une réponse, ce que la dame dit. Mais une question. Je me permettrai juste de dire. Juste parce qu'on va d'abord prendre une autre question, parce que ce sera la dernière. Alors d'ailleurs, que je reconnais, c'est Céline Charverier qui fait, du coup, c'est une forme de transition peut-être, parce que Céline sera dans la table ronde sur le Green Deal à 16h. Donc. Juste pour vous dire que la formation continue, ça existe. On a heureusement une caisse de formation continue qui s'appelle Vivea et auquel peuvent participer tous les agriculteurs déjà installés. Le problème, c'est qu'en général, les agriculteurs n'ont pas le temps de se former. C'est ça le problème. D'accord. Ça répond du coup à la question. Alors du coup, Céline Charveria. Oui, petite question. On n'a pas encore mentionné le secteur bancaire. Or, les agriculteurs sont très lourdement endettés. Pourquoi ? Parce qu'on les a encouragés à se suréquiper. Et je voulais demander à tous les intervenants s'ils pensaient qu'une restructuration de la dette, où on demanderait aux banques aussi de faire un effort, parce que ce sont eux qui ont vraiment bénéficié du système, en plus évidemment de l'industrie, de la machinerie et des intrants, de faire un effort, parce que je ne vois pas comment un agriculteur qui est lourdement endetté peut prendre le risque
de, et comme ça a été très bien expliqué, convertir ça, ça crée des risques. Et quand on est lourdement endetté et que votre chef sait en fait le Crédit Agricole, vous êtes mal barré. Merci. Ouais, c'est un très bon point. Alors attendez, une dernière question et on répondra du coup au milieu. C'est la dernière question, toujours. J'aurais juste une question par rapport à la mise sur le marché de certains produits agricoles, que ce soit le lait ou la betterave, ou comme on a eu pour les quotas à une époque, la suppression des quotas. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, comment on pourrait en sortir en fait, de ce système-là qui nous fait rentrer des produits agricoles sur le marché financier et donc qui met à mal l'agriculture, que ce soit en Europe, mais aussi dans le monde. La financiarisation de tous oui, ces oui. produits. Et qu'est-ce que vous en pensez en fait ? Est-ce qu'il y aurait une entre-deux entre une politique de quota et une politique de financiarisation ? Et justement, ça met en lien aussi avec le fait qu'il y ait des actionnaires qui puissent, ouais. Qui puissent acheter du soja un c'est peu vrai comme que dans un indien c'est... dans la ville et le revendre à la fin. Les deux questions, c'est vrai que c'est un sujet. Ça montre que même une heure et demie, qui est déjà un débat dense, a eu beaucoup d'informations, c'est pas assez parce que. Donc comment vous faites pour à la fois, parce que la question est clé, c'est vrai que c'est la question de l'endettement des agriculteurs qui ont acheté un tracteur à 500 000 balles pour faire la culture, etc. Après c'est un peu dur de changer, ça va être plus compliqué. C'est plus compliqué que ça, sur l'histoire des banques et de l'endettement. Encore une fois, il y a une forme de biais cognitif, et moi je l'ai vécu quand je suis devenu agriculteur, c'est-à-dire que quand j'ai repris la structure, il a fallu reprendre tout l'actif. Y compris les 8 forages d'irrigation, y compris les 5 stations de pompage, y compris les tuyaux enterrés qui n'étaient pas marchands. Et le truc, c'est que si j'avais continué avec l'utilisation de ces équipements-là, je continuais à prolonger le modèle qui n'était pas rentable. Et pourtant, j'ai dû l'acheter. Et pourtant, j'étais fortement endetté autour de ces équipements d'irrigation. Et donc, le biais, il est là. C'est qu'ils considèrent que parce qu'ils ont acheté le robot de traite, parce qu'ils ont acheté l'irrigation, ils doivent continuer de les utiliser. Et donc, ils s'enferment dans le modèle qui n'est pas rentable. Alors que en arrêtant tout du jour au lendemain. Ce que j'ai fait, moi, j'ai arrêté d'irriguer. Je me suis retrouvé à embrasser un modèle agricole rentable qui m'a permis de rembourser ce que je devais aux banques et j'ai pu le rembourser parce que je ne les utilisais plus. Donc vous voyez le biais cognitif, il est là. Et donc, quelque part, c'est une fausse excuse que de dire « Oui, mais on est endetté, on est piégé dans le modèle. » Mais on n'est jamais piégé dans un modèle qui n'est pas rentable, d'autant plus que le modèle rentable, il est assez facilement accessible avec peu d'endettement. C'est-à-dire que moi, j'ai vendu des gros tracteurs, j'ai vendu des grosses moissonneuses-batteuses et j'avais les reins suffisamment solides, malgré mon endettement, pour sortir du modèle qui n'était pas rentable et embrasser un modèle rentable qui m'a permis de rembourser des équipements que je n'utilisais pas, mais que j'avais dû acheter pour pouvoir devenir agriculteur. Donc vous ça, avez c'est... compris le biais cognitif, là ? Après, tu veux ? Oui, deux points. Un qui fait le lien entre ce que vient de raconter Benoît et la question sur la formation, il n'y a pas que les agriculteurs informés. Il y a aussi tous les accompagnants des agriculteurs et les comptables, notamment. Parce que les comptables, ils vous font croire que plus vous vous endettez, plus vous enrichissez. Ce qui est une connerie par rapport aux impôts. Donc ça fait complètement écho à ce que dit, à ce qu'est dit Benoît. J'ai oublié la deuxième chose, mais ça tombe bien. C'est sur la j'en profite pour dire que pour répondre à la question, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est de donner ce challenge effectivement aux banques en disant, bon, bah, voilà, par rapport à toute cette problématique qui est vitale, comment vous vous positionnez ? Et pour faire le lien avec la comptabilité, c'est qu'il faut passer à une comptabilité en triple capital. Il y a des magnifiques études qui ont été faites là-dessus. Si on intègre le patrimoine vivant, la vie que tous les paysans recréent sur leur système, la vie du sol, la biodiversité, les haies, le carbone, etc., etc. Si on intègre ça, on va se faire rembourser des dettes qu'on a. D'accord, une bonne idée. Laurence, pour conclure peut-être cette table ronde. Oui, enfin, c'était, moi j'étais... C'était super. Et vraiment très heureuse de vous avoir écouté. Et la direction que tu donnes sur cette comptabilité patrimoniale, elle est en train de venir dans d'autres secteurs. Et peut-être que justement, pour cette échéance de novembre, c'est intéressant de faire le parallèle entre la réglementation qui est en train de se construire au niveau européen sur la comptabilité extra-financière, hein, le reporting extra-financier, ce qu'on appelle la double valeur, la valeur non matérielle, et de dire quand même, les entreprises font ça, et un secteur qui est tellement lié justement à ces services environnementaux, on ne le ferait pas. Donc il y a une chose très intéressante là que tu donnes comme piste, qu'il faudrait peut-être déjà commencer à dire, surtout qu'il y a des bases quand même, hein, il y a des bases.
Deuxième chose, il y a quand même le volet commercial qu'on n'a pas eu le temps de... On pourra peut-être l'attendre dans la dernière séance. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un aspect de compétition internationale qui ne facilite pas la transition. Alors, en même temps, moi quand même, à chaque fois qu'il y a eu vraiment des grosses crises sur les prix, notamment dans l'élevage, et Benoît est évidemment bien placé pour regarder ça, mais lorsqu'il y a eu des grosses crises, notamment dans l'élevage intensif, hein, je pense au prix du porc, etc., les seuls qui s'en sont sortis quand même financièrement, c'est ceux qui étaient passés en bio. Les autres, ils sont passés, hein, les trois quarts du temps. Donc il y a quand même une résilience qu'il faut aussi faire manifester. Bon, mais pour le reste, quand même, c'est quand même beaucoup un système qui se tient. Hein. Je veux dire, on a beau... Donc c'est pour ça qu'il faut échanger les pratiques, parler... c'est vrai que les consommateurs sont en train de jouer, pas dans tous les secteurs, mais dans ce secteur de l'alimentation, un rôle considérable. Il ne faut pas sous-estimer ce rôle. Et si les jeunes qui défilent pour le climat défilent aussi et poussent hein, pour que nous, comme consommateurs responsables, on demande des produits bio, on pousse sur les aides... ça peut, enfin, je veux dire, il faut faire sentir ça. Je crois que Xavier, Benoît, Valentine et Émilie l'ont bien dit. Donc, on est à un moment, un tournant. C'est un secteur qui se dit, là, non, ça va marcher, on va encore gagner 5 ans, mais c'est peut-être pas vrai. Et on a quelques mois pour le prouver, donc ça vaut le coup. Vraiment, ouais, le dernier point. Sur ce qu'a dit Laurence sur le bio, il faut savoir que le bio est très attaqué pour le climat, selon une certaine logique de moindre efficacité. Donc, il faut vraiment. Négocier, enfin, faut vraiment vouloir un paquet global qui lie climat, biodiversité, santé, etc. Sinon, on vous fera des élevages super intensifs qui seront vendus comme étant très efficaces pour le climat et ce sera une catastrophe et on pourrait multiplier les exemples. Très efficace pour l'agriculture plutôt, non ? Non, très efficace pour le climat parce que tu produis un maximum de litres de lait par une vache que tu nourris pas beaucoup plus. Sur le papier, c'est génial, sauf que c'est une catastrophe. Donc, il faut sortir de la seule logique optimisation carbone, c'est très important. Il faut vraiment avoir une vision holistique, parce que vous avez des tas de combats pour le climat qui pensent que ça le fait, et c'est hélas plus compliqué que ça, et ça je trouve c'est un message très important à faire passer. Merci à vous. Donc, Benoît Biteau, raconte une grande partie de tout ça dans son livre, et Xavier Poux est à votre disposition si vous voulez signer, enfin, vous faire dédicacer ce livre. Merci, rendez-vous à 16h sur le Green Deal.